Chers amis, bonjour. Jamais, je vous l'avoue, depuis un long moment, je n'avais vu autant de bookmakers accorder les faveurs de leurs pronostics à notre équipe avant ce déplacement au parc. Trêve de plaisanterie, je vous entends, je vous en fais presque le pari. Tape dans la main mon cousin, j'en suis certain. Vous êtes certainement au moins dit une fois, ça, au moins, ce sera fait. Voilà comment, dans l'esprit du plus grand nombre, on aborde cette partie à Paris. Oui, ce serait quand même se mettre les doigts dans les yeux que de ne pas accepter l'évidence au départ, bien que de la réflexion n'étant l'action. Nous verrons bien, quoi qu'il en soit, évidemment, Paris sera largement favori de cette partie. Alors l'esprit païen dans tout ça, que pèse-t-il? La combativité, la solidarité, la concentration, le mental, l'esprit de corps, voilà généralement ce qui constitue les qualités premières admises par tous les observateurs ou presque, les qualités premières des outsiders ou des seconds couteaux. Toujours est-il que ça a quand même une certaine valeur. Il faudra essayer de lancer quelques pics, nous a dit Olivier Dalloglio, ne pas laisser jouer les Parisiens qui excellent tant lorsqu'ils ont le ballon. Il faut y aller, mais pas seulement pour bétonner. Il a insisté longuement avant le départ de la délégation montpelliéraine pour le Parc des Princes. Bon, alors après, c'est Paris. Paris qui est sur un nuage, comme on le dit tous les ans depuis maintenant un bon paquet d'années justement. Des Parisiens qui ont fait sensation lors du Trophée des Champions contre Nantes, qui ont cartonné à Clermont lors de la première journée et à qui, naturellement, beaucoup de personnes accordent les faveurs du pronostic. Donc, nous essaierons de faire au mieux, nous essaierons de ne pas seulement défendre, avec voilà la bonne nouvelle, le retour d'Arnaud Nordin, qui était absent du groupe pour la première journée contre Troyes. Arnaud Nordin sera là, mais il est certain que son apport ne sera pas de trop. Quelle tactique pour ce match? Comment affronter, comment gérer la domination annoncée des Parisiens? La tactique, vous savez ce que c'est. Le plus important, c'est ce qu'on en fait. On verra ça. On part à la mine, donc, au Parc des Princes, ce samedi soir à 21h. On croisera les doigts. À l'impossible, nul n'est tenu, mais rien ne nous dit après tout que nous n'irons pas là-bas pour réaliser, ma foi, pourquoi pas, un exploit. À samedi.